Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve sur Man Eater. Alors, je vous montre pas tout de suite le requin parce que vous allez avoir peur. Bon, c'est... Non, j'avoue, je vous regarde. Regarde un petit peu ce délire. Ça fait trop peur, frère. Alors, si tu te demandes ce que c'est, ça, c'est l'ensemble de l'ombre. Ce que j'ai dû faire pour l'avoir, en fait, c'est ce que certains m'ont conseillé. Ils m'ont dit, ouais, frérot, l'ensemble de l'ombre, c'est le meilleur, c'est le meilleur. En fait, j'ai dû charbonner. Du coup, c'était des points de repère que j'avais totalement délaissés, en fait, dans les derniers épisodes, en fait. Et en fait, c'était des petits trucs. Enfin, voilà, c'est des trucs comme ça, voilà. Et en fait, il fallait explorer à peu près toutes les régions, en fait, et charbonner les points de repère, tout simplement. On va dire, chaque zone, ça te donnait un truc. Par exemple, je crois, si tu charbonnais cette zone, ça te donnait la tête, par exemple, la mâchoire, tout ça. Enfin, bref, etc., etc. Jusqu'à ce que tu obtiennes tout ça. Et ça envoie du très très lourd. Alright. Bon, c'est reparti. C'est reparti les amis. Et regardez comment ça va vite. Regardez comment ça va vite. Et encore, on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour aller au maximum de notre vitesse. En fait, il me semble qu'il y a encore un truc. Je crois qu'il faut déglinguer tous les chasseurs. Et je crois au dernier truc, on a ça, muscles brutaux. Et ça, je crois que ça nous aide beaucoup à améliorer. Je crois qu'on gagne 30% de vitesse en plus. C'est incroyable. Déjà que de base... Oh, wow, wow. Oh là, il m'a fait peur. Mais t'as vu, frère? C'est quoi? C'est le merlin? Ou le marlin? Arrête de faire ton marlin, frère. Oh là, ils font trop les malins, frère. C'est abusé. Non, en fait, tous les trucs avec les nez pointus, là, frère. Je te jure, ça... Oh là là là, comment c'est trop emmerdant. Et bref, en fait, avec cet ensemble, la queue permet d'envoyer des trucs... voilà, des trucs comme ça, en fait. Non, c'est pas ce qui fait que les gens sautent. Déjà, les gens, quand ils paniquent, ils se jettent, en fait. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, c'est une boule de venin. Je te jure, tu fais comme ça, tac. Et c'est comme si ça envenime les trucs. Et je viens d'apprendre, en fait, le bioélectrique, il est bien aussi. Mais ça sert surtout à stun. Tu vois, ça stun, ça veut dire que ça peut assommer tes ennemis, tout simplement. Et l'ensemble osseux, c'est pour tout ce qui est... tu veux tout niquer, quoi, en fait, voilà. Mais il est bien aussi. Et en fait, j'ai remarqué que vraiment, du coup, chaque ensemble, il a sa propre particularité. C'est vraiment sympa, tu vois. C'est incroyable. Regarde le nombre de fois qu'on peut sauter. Ah, c'est cheaté, frère. Là, c'est trop. C'est trop. Déjà, je pense même sans cheat, c'est trop, frère. This is too much. Salut les gens, je me pose. Hey, well. Ben alors, frère, je l'ai juste touché. Je l'ai à peine touché. Alors, du coup, j'ai amélioré tout ce qui est de se balader sur le sol et tout. Et là, franchement, ouais, c'est vrai qu'on se déplace assez rapidement. Non, franchement, là, c'est plus rapide que... Ouais, qu'un scooter. On se déplace aussi rapidement qu'un scooter. Non, en fait, je me suis rendu compte la dernière fois que le jeu est bien plus kiffant que ce que je croyais, en fait, tu vois. Bref, là, j'hésite. Est-ce que je déglingue les chasseurs ou bien est-ce que on fait vraiment les objectifs? Parce que les chasseurs, comme je vous ai dit, ça va nous permettre d'avoir ça, muscles brutaux, tu vois. Donc, je sais pas trop. Est-ce qu'on fait... Normalement, moi, j'ai remarqué jusqu'ici, les premiers épisodes, enfin, voilà, c'était... on déglingue les chasseurs, et ensuite, on fait les objectifs qui nous permettent d'avancer dans l'histoire. Si ça ne vous dérange pas, c'est ce qu'on va faire pour cette fois-ci. Ah, c'est elle, Maman My Belle. Maman My Belle. Mais du coup, les gens m'ont dit que c'était une référence à la meuf dans Luke Cage. Le pire, c'est que moi, j'avais même pas percuté la première fois, alors qu'en vrai, j'ai maté la série, Luke Cage, tu vois. Donc, ouais, apparemment, ils ont fait une petite référence. Il y a plein de petites références comme ça, vraiment. Sympa. Comme je vous dis déjà, rien que l'équipe qui a fait les jeux de mots, c'est incroyable. Chapeau, chapeau les créés. Si vous voyez la vidéo, chapeau. Du coup, on go sur un objectif de foutage de merde. Mais lui, par contre, je crois que c'est le plus puissant. Le plus puissant et le plus rapide. Quand tu actives son truc spécial, c'est abusé. Attends deux secondes. Grand requin blanc. Et voilà, on active. Regarde sa vitesse. Regarde sa vitesse. Attends, je sais pas si tu remarques. Je sais pas si tu remarques sa vitesse. Attends, on va rester à la surface pour que tu remarques. Théma, tu trouves ça rapide ou pas? C'est pas mal. C'est pas mal. On a attiré l'attention des messieurs. Messieurs les chasseurs. Alors je vous préviens, je suis très bresson aujourd'hui. Ah ouais, j'avoue, là je suis niveau, je sais pas combien. Je vais bientôt être mégalodon là. C'est niveau 30 il me semble. Ok, hey. Je vais vous faire mal. Wow, 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 c'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. C'est les chasseurs aussi? Ou pas? Oh là, je sais même pas. Mais en tout cas, tout le monde y passe. Aïe, 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 aïe. Attends, attends, attends. C'était trop court, regarde. Mais il s'est rien passé, j'aurais trop voulu qu'il y ait un cheat qui permette d'avoir ça au maximum, enfin, tout le temps, je veux dire. Ça veut dire, si je veux l'activer, là, maintenant, je le fais. Encore la capacité. Ouais, 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 ouais. Wow, Théma, où il a sauté, le monsieur? Théma, où il a sauté? Ah, attends, attends, à quoi tu joues? Wow, 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 wow. En fait, là, c'est instantané. Dès que tu touches, ils partent tous se faire... Voilà, allez. Allez vous balader. Va te balader toi frérot. T'as pas besoin d'attendre trop longtemps avant de l'avoir la capacité parce que en vrai tu es déglingue assez rapidement.
C'est ouf, mais on dirait qu'il y a un ralenti en fait. On l'active. Mais je suis sûr qu'il y a un ralenti là, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que même quand ils tombent, ils font... Tu vois, c'est... Le son est déformé un peu. Ouais, c'est ça. Ça fait un ralenti. Il est trop rapide. Allez, tiens toi. Voilà, merci. Maman, my belle. Mais j'étais en train de bouffer un orque. Ouais, elle est quoi? Voilà, je croyais qu'elle était sur son portable. Vas-y, remets tout ça en place. Est-ce qu'elle est là, maman, my belle ou pas? Je cherche maman, my belle. Je veux une rencontre en personne avec elle. Ah, je crois que c'est elle. Oh, I think it's her, man. It's probably her. Non? Ah, oh, oh, oui, il est là. Ok. Je vais te sauver, mademoiselle. Je vais te sauver. Ah, c'était trop rapide. Waouh, un coup de... Bon, je dirais un coup de queue, c'est pas vraiment ça. Mais ouais, un coup, frère, et c'est bon. Mais encore une fois, j'ai envie de prouver à mon kersh, à mon ventre, qu'on l'a bien éclaté. Donc si elle pouvait se montrer, s'il vous plaît, là, elle est où? Attends. Maman, my belle. C'est elle! Voilà, je crois que c'est elle! Oh là là, ça fait plaisir. Waouh, c'est trop beau, c'était son bateau à elle. Voilà, il était joli. Ça montre qu'en vrai, t'as beau avoir ce que tu veux dans la vie, Khoya, face à un requin... Avec l'ensemble de l'ombre, tu peux rien faire. Allez, 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 ça dégage. Ça dégage. Oh, c'est rapide. En vrai, je te jure, c'est super rapide. C'est incroyablement rapide. Théma, je me sens surpuissant. C'est pas possible. C'est pas possible. Je les déglingue. On a tellement de masse. On les déglingue de ouf, frère. C'est des bateaux qui sont solides en plus, tu vois. Mais face à nous, frère, voilà. Et encore, je pense qu'avec l'ensemble osseux, c'est pire. Celui-là, je dirais, c'est le plus équilibré. Tu vois, il est bien pour tout. C'est très puissant. Ah, oh, je l'ai attrapé directement comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, gros? Mais c'est incroyable. Tu sais que je fais que de croquer. On dirait vraiment je croque dans la tôle, croyez. C'est pas possible. Allez, 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 allez. T'es mal à la puissance. Pouh. Oh, yo, yo, il a été choqué. Mskin, je pense qu'il s'y attendait pas. I think he wasn't attending this. Et hop là. Allez, ça descend. Oh, t'es mal, ils sont en l'air et tout. Mais c'est trop stylé. Je t'ai dit, tu vas méga vite en fait. Ramenez-moi le prochain là. Niveau 8. Allez. Mais ils sont où, frère? C'est pas possible. Ils sont plus là. J'ai déglingué tout le monde. C'est moi, faut que j'aille les chercher. What the fuck? Oh. C'est des trucs un peu plus hardcore. Zama, ça t'électrocute. Interesting. Un petit peu de défi. Sauf que pour nous, il n'y a pas de défi en fait. Bouclier anti-requin. Donc, on dirait que ces chasseurs de primes ont cheat. Ils ont cheat, tout simplement. Je vais pas lire la suite. Non, vraiment, c'est un bouclier anti-requin. Vous ressentirez sûrement un petit choc électrique. Vivifiant. Bon, c'est pas grave. Non, moi, ça me fait rien en fait. Alors, je t'explique. Déjà, le Rey, moi, je fais juste ça et normalement, t'es out. Juste ça et t'es out, Roya. Oh, déjà? Oh, je dis ça pour rigoler, Roya. C'est sérieux? Attends, mais j'ai envie de détruire ce. Ce bateau là, il est très puissant. Hein. Ah, il est pas si puissant que ça. Waouh, ouais. Ah ouais, je te jure, lui-même il s'est mis en sur le côté comme ça, tu vois. Il m'a dit non, finalement frère, on fait pas trop le poids. Alright. Ah ouais, on est là on est respecté dans la street là. Il y a pas à dire. C'est pas ça qui va t'aider là. Ton habitacle. Je te fais couler toi et ton habitacle. Voilà, merci. En fait, vraiment, c'est du cheat. Tu bouffes tout ce qu'il y a en bas, tout le reste niveau 30. Niveau 30, regarde. On va devenir un mégalodon. Aïe. Ah, mais là, on va améliorer ça. On va améliorer les bails d'une manière... Voilà, c'est abusé. Voilà, je pense qu'il faut le dire. C'est abusé. Aïe. Théma, tous les corps. Je crois que j'ai jamais fait autant de carnage. C'est incroyable. Et ce qui est trop cool, c'est que vraiment, les corps, du coup, ils restent en bas. Tu les bouffes et ça te recharge ta capacité. Et t'es encore prêt à faire encore plus de carnage. C'est un cercle vicieux, mais dans le bon sens. C'est tellement satisfaisant en fait. Théma, quand il ouvre sa gueule, frère. Théma, sa gueule. C'est pas possible. Oh, je fais peur. Avec les dents de l'ombre en plus. Ah, c'est capitaine. Et je crois que c'est le dernier. Je suis pas très sûr, mais je crois. Oui, je crois que c'est le dernier, effectivement. Incroyable, Rey. Incroyable. Et il a encore cru que son truc là, électrique, ça allait me faire quoi que ce soit. Pas du tout. Mais vous êtes sérieux, vous? Alors que là, il y a la troisième guerre mondiale à côté. Mais c'est incroyable, mais c'est gentil de vous présenter, enfin d'être resté ici, quoi. C'est cool. Il me faut juste un peu plus de protéines, les Rey. Si ça vous dérange pas. Quelqu'un veut se donner? Veut se donner à moi, comme ça? Non? Ah, parce que j'en ai besoin, là, pour faire la capacité. C'est pas grave. On va aller cueillir directement là. Voilà. Comme ça, au moins,
Vous êtes fini, voilà. Ouf, muscles brutaux. Et ça, c'était le dernier truc. Tristement célèbre. Alors là, c'est pas que tristement célèbre, regarde. Tristement vénère. Aïe, 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 tes mains. Tes mains sont bateaux, ce que j'en fais. J'ai envie de le voir détruit. Encore quelques coups, frère. Voilà. Aïe, 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 aïe. En débris, miskin. Oh, je les ai finis, c'est bon, frère, c'est bon. Oh là là. Il reste qui, là? Il reste plus personne. Bon, bah, ciao, les frères. Je vous ai fini. C'est violent de ouf, voilà, c'est trop violent. Là, du coup, on va aller à la grotte. Je suppose qu'on va peut-être se transformer en mégalodon. Oh, on est devenu méga. Aïe, 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 aïe. Mais on est devenu trop gros, frère. Ah, c'est trop violent. C'est trop violent. Là, il faut que j'active. Alors, digestion du mutagène. Là, on s'en bat les couilles. Là, ce qu'il nous faut, c'est ça, là. Muscles brutaux. Alors, je mets et j'améliore. Et même si j'ai pas assez de trucs pour améliorer... Ah si, je pense que j'en ai assez. Hein. Normalement, il y en a assez. Ah non, il n'y en a pas assez. Bon, ben, on va cheat. Hein. All right. Nice. Là, on l'a en or. On l'a déjà en or. J'avais pas besoin d'autant. Putain, c'est lourd. C'est trop bien. Tout est or, là. Tout est or. Du coup, j'ai pas d'autres têtes. Ah, tête bioélectrique. Tu sais, j'avais jamais vu. Ouh, ça ressemble à ça, ok. Mâchoire, bon, bioélectrique, ça on savait déjà. Ok. Mais là, il y a un dernier truc, je sais pas si ça va être un DLC ou... I don't know, man. Le corps bioélectrique, je l'avais déjà montré, je crois, en grave amélioré. Oh, osseux, il est ouf. Osseux, il est incroyable aussi. Hein. Nageoire, bioélectrique, quoi, on connaissait. La queue bioélectrique, par contre. Oh, je l'avais jamais vu. Elle est dingue, hein. Elle est dingue. Attends, je vais remettre la tête de l'ombre. Oui, comment elle est vénère. Elle est pointue. All right. Alors, on va nager un petit peu. Gros, c'est trop. Oh non, c'est trop. Non, mais là, on nage trop vite, là. Oh, mais même comment on saute haut. Non, non, c'est trop, frère, c'est trop. C'est trop. Eh, frère, quand tu sors de l'eau, c'est un jumpscare. Non, il va trop vite, gros. Il va trop vite. On dirait qu'il est vraiment excité. On dirait qu'il est excité maintenant, comment il nage. Tais-moi. Comme il agite la queue de ouf. Il est extrêmement vénère. Y a pas à dire. Bon, attends, j'ai envie de voir ce que ça donne. Quand tu fais comme ça. Oh, aïe, 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 aïe. C'est vraiment plus rapide, vu qu'on est beaucoup plus grand maintenant. Et hop. Salut les rays, y'a personne. Oh merde. Ils veulent plus me bouffer maintenant ou quoi? Ah, y'a le barracuda qui veut me bouffer. What the fuck? Ah si, les deux ils veulent me bouffer. En fait, je pensais qu'à partir d'un moment donné, t'étais tellement gros que personne voulait tester. Mais en fait, il y a toujours des petites merdes qui voudront tester. J'ai l'impression que ça sert même plus à quoi que ce soit, tu vois, de vous montrer des objectifs comme ça. Parce que frère, là en fait, on est arrivé au niveau max, tu vois, littéralement. On va pas se mentir. Regarde, je suis un monstre. Et le plaisir de faire les petits objectifs, ça aurait été justement d'évoluer petit à petit. Là, j'ai tout niqué, tu vois. Donc ça sert à... plus grand chose à part juste de voir l'histoire, en fait, tu vas voir l'histoire, comment ça se passe. Du coup, moi je pense que tout ce qui sera objectif, tout ça, on va déglinguer ça d'une manière rapide de ouf, tu vois. Ça va être plié rapidement. Y'a quelqu'un encore là? C'est bon? Alors, c'est la phoque au destin. Tuez 10 phoques maintenant. Alright. Je vais faire ça aussi rapidement qu'une liste de courses. On va faire ça à la chaîne. T'as vu, de temps en temps, quand tu fais du sale, tu vois, t'as l'autre qui te fait des commentaires. Comme si, genre, ça nous intéressait. Oh, mais dégagez les orques, on a plus le temps, frère, je vous donne plus l'heure, ça fait un moment déjà. Ah non, c'était des requins blancs, je crois que c'était des orques. Ok. Ils étaient assez gros, hein. Il faut dire ce qu'ils étaient assez gros, tu vois. T'es mal, la vitesse à laquelle j'ai... la vitesse à laquelle je déglingue tout, c'est insultant, franchement. Si les développeurs, ils passent par là, ils vont dire, mais... Ouais, c'est gentil, les vidéos que tu fais dessus. Mais c'est du khala que tu fais. C'est ça que je fais, c'est vrai. Mais non, mais je rends service aux plus petites proies, tu vois, parce qu'il y a des petits poissons qui aimeraient bouffer du phoque, aimeraient avoir une alimentation plus variée, manger du requin blanc, par exemple. Mais vu qu'ils peuvent pas se permettre, voilà, tu vois, donc moi, je me permets, bon, lui, je l'ai bouffé, mais je me permets, tu vois, de leur donner des petits coups de queue comme ça, des petits coups de queue. Comme ça, après, eux, ils viennent juste, ils dégustent, frère. C'est buffet à volonté. Déjà qu'en vrai, ces zones-là, je les ai fumées, enfin, hors vidéo, du coup, vu que j'ai cherché le maximum de... le maximum de trucs là, comment ça s'appelle, les trucs de, enfin bref, tu m'as compris, les points de repère, voilà, les points de repère, j'ai cherché les points de repère, et du coup, bah ouais, c'est vrai que j'ai dû faire le tour un peu de la map, et franchement, c'est trop agréable, c'est méga agréable de faire le tour de la map, tu vois, et de, bah d'explorer en fait, c'est juste beau, c'est joli. Boucherie, dévorer 10 humains,
On va pas forcément les dévorer. On va juste leur donner des coups de queue. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Des coups de queue. Des coups de queue, ça y va. Timas, c'est déjà fait. Oh. En vrai, je peux pas vous mentir. Mon objectif, il est atteint pour ce jeu, tu vois. C'est ce que je voulais, moi, en termes de gameplay. C'était que ça aille vite de ouf. T'es là, tu... En fait, tu fais les choses à la chaîne. T'as pas le temps de... Oui, attends, je le mâche en deux fois. En une fois. Oh, tu vois ce que je veux dire. Tu fais le truc comme ça. Tu es déglingue. Ouais, y a pas de... Tu perds pas ton temps. J'avais joué sur la chaîne il y a un bon moment déjà. Un jeu, en fait, de poisson en 2D, tu vois. Et c'était le même principe. Tu bouffes, tu grossis, etc. Et tu commences à déglinguer des humains, etc. Tu bouffes des bateaux. Tu bouffes même des vilains, à un moment donné. Enfin, bref. Et en gros, je voulais... Ce que j'aimais trop dans ce jeu, c'est justement ça allait trop vite. C'était Tasty Blue, ça s'appelait, tu vois. Il était vraiment bien, ce jeu, en vérité. Et bref, tout ça pour dire, ouais, c'est... C'est ce genre de truc que je voulais faire, mais avec une expérience 3D bien, bien sympa. Et bref, tu vois. Ah, là, on est carrément parti dans la caille à caviar. C'est quoi, ça? Tuer le prédateur. C'est quoi, le prédateur, là? Who is the predator? Parce que ça va être un méchant. Un méchant, méchant. Parce que là, j'ai vu les prédateurs qui nous restent à finir. Ah, d'ailleurs, attends. Je vais désactiver le truc dès maintenant. Comme ça, au moins, on le déglingue, genre... Oui. On le déglingue de manière... voilà, quoi. Alright. Prédateur. Le grand requin blanc, viens ici, Roya. Je vais te déglinguer de manière legit. C'est lui, là? Oh. Mais alors? Tu me fais rien? Ah si, ok. Vas-y, vas-y, je te laisse une chance de te défendre, Roya. Bah alors? Mais en vrai de vrai, il fait rien. En vrai de vrai... Attends, attends, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je vais le laisser m'enlever de la vie. Je vais enlever le cheat de la vie, vas-y. Croque-moi. On va voir le... Ah, quand même. D'accord, encore? Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Ah ouais, quand même, d'accord, ok. Mais c'est pas ouf, non? À mon avis, si j'active ça. Si j'active ça. Ah ouais, ça t'évite et tout. Ça t'évite et tout. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça aurait été la vraie manière de jouer au jeu. Ok, là tu sens un petit peu que c'est du... Ouais, il y a du petit défi, quoi. Il y a du petit défi, c'est sûr et certain. Et en plus, à chaque fois que tu essaies de le croquer, il t'évite d'une manière ou d'une autre, en fait. Oh, wow, 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 wow. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Bon, c'est vrai que là, je ressens un petit peu le besoin de manger des trucs aux alentours. Histoire de me recharger un peu la vie et tout. Certes, c'est vrai. Ouais, on ressent un petit j'ai bien dit un petit défi, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que ça manque un peu les cheats, tu peux pas faire genre. Ouais, 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 ouais. Surtout si en même temps tu te battais contre lui et qu'il y a des chasseurs, tout ça. Ah mais c'est un bordel, gros. C'est un bordel. Attends, il est là. Je te déglingue, croyant. Je suis trop rapide. Je suis trop rapide. Ah là, je lui fais mal. Là, je lui fais mal. Là, je lui fais mal. Je crois, à moins que je l'ai raté. Mais je passe à travers lui, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là, le Khey? C'est quoi ça? Oh 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 oh. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je l'ai fini. Oh, queue osseuse. Oh, c'est bien. Tu vois, là j'ai essayé de le faire de manière legit. Bah en vrai, c'est quand même bien. Franchement, ça me dérange pas de temps en temps. Les combats de boss, les faire comme ça me dérange pas, tu vois. Mais des petites proies, frère, passer du temps dessus, frère, c'est... Moi, je trouve ça nul, personnellement, tu vois. C'est quoi, ça? Nourriture pour Fretin. Pete est probablement un peu contrarié que vous ayez tué son fils. tu déconnes, frère. Il est sans doute en train de manigancer quelque chose. Alright. On va voir qu'est-ce qu'il est en train de manigancer, le monsieur. Que pasa en la casa? C'était Pete le malheureux. On se rappelle bien de sa douleur, miskin. Et... Oi. Oi, déjà, là, il... Ah oui, il a plus ses cheveux là. Qu'est-ce qu'il y a dans les barils? Oh, il a envie de cramer des trucs là. Et il y a même plus les sous-titres là. Ça se voit, il a pété un câble. Même le jeu, il a pété un câble. Il y a tout un écosystème. Oi, 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 oi. Du coup là c'est le journaliste, celui qui est en train de filmer, il est en train de le raisonner, il dit Roya quand même. Alors je sais qu'il t'a buté ton gosse et tout, toute ta descendance, mais il faut pas que tu pètes un câble. Il lui a dit ta race, il lui a dit comme ça, frère. Ah ouais, là il est déter. Hein. Ah, il va pas perdre son temps, frère. Mais lui il a cru qu'en fait il va tout régler par le feu. Voilà, on combat le feu par le feu pour lui. Hein. C'est une dinguerie. Donc un amour de grotte, visitez la grotte de Kaya Caviar. Alright. Alright. Il fait de la peine à le voir comme ça, voilà, il fait de la peine, je vais pas te mentir. Il a changé au départ, il avait un petit côté mignon. Un petit bâtard, tu vois, mais il a quand même un petit côté mignon.
il était heureux avec son fils et tout, tu vois. Mais là, en fait, c'est ça qui fait de la peine. Si tu dis, le mec, il a perdu son gosse et... Voilà, quoi. Il n'y a plus trop avec qui... plus beaucoup de monde avec qui il pourra jouer, là. Ou bien faire ses conneries. C'est un petit peu blessant, quoi. Pour lui. Bon. Ah, je me rappelle de cette grotte, là. Enfin, de ces passages-là. C'est trop stylé. Donc, ouais, je les avais fait la dernière fois. Je sais pas si vous étiez resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont regardé... Alors je fais des épisodes longs exprès, hein, parce que moi personnellement ça m'intéresse, tu vois, de proposer ce type de truc. Moi personnellement si je regardais, enfin si je cherchais un gameplay sur ce jeu, j'aimerais que ce soit un peu en détail, tu vois, que des chemins comme ça, c'est... Enfin j'aime bien le montrer, tu vois, enfin bref. Assez parlé. Oh, it's here, the growth. Salut, oh. C'est pas le meilleur emplacement, tu vois, pas faire genre, mais c'est quand même une grotte. Ça fait le taf. Ouais. Yes, effectivement, du coup, c'est le territoire ici. Ok, oh, c'est beau. Ok, du coup là, donc il y aura encore tout un enchaînement de trucs à faire. Ensuite, aller voir, je suppose, Pete. Donc là, il faut faire progression 50%. On a combien de pourcents ici, les rays? Je crois qu'on est... Ah ouais, 14%, il y a encore du taf. Hein. Bon, j'ai fait tous les trucs de repère. Donc en fait, rien que si on essaye de choper, vous savez, les boîtes de nutriments ou je ne sais quoi, déjà, ça pourrait pas mal aider. Et ensuite, bien sûr, faire aussi ces... Ces trucs-là, tu vois. Ces trucs-là, et ensuite déglinguer le prédateur. Et je suppose qu'ensuite, en fait, si on termine les zones et tout, on aura aussi l'ensemble osseux, tu vois. Parce que je suppose, en fait, plus tu déglingues des prédateurs et plus tu auras des trucs. Par exemple, là, je suppose que on avait eu quoi? Un truc osseux, tu vois. Et puis c'était quoi? Attends. C'était nageoire, peut-être? Nageoire osseuse. Ou un autre truc. Ah, c'était que osseuse, ouais, qu'on a eu là quand on a déglingué le prédateur, il me semble. Yep, yep, yep. Donc petit à petit, on débloque des trucs, tu vois. Donc ouais. Du coup, je sais même plus qu'est-ce qu'il faut déglinguer. C'est des tortues. Aïe, aïe, aïe. Miskin les tortues. Miskin les tortues. Oh, mais pourquoi on déglinguerait des tortues? C'est le truc le plus inoffensif dans le game. Je te jure, c'est pas possible. Le mako. T'es ma l'orque. Oh là, je préfère le manger que de le laisser comme ça, le pauvre. C'est pas possible. Non mais en plus regarde, tu vois, il leur manque la queue et tout, t'as, c'est hardcore. En vrai ça va très vite, regarde, on était à 14, là on est à 20. Franchement les objectifs tu les fumes rapidement, tu vois, c'est... Franchement c'est un jeu qui se joue très très bien, tu vois. Avec des cheats. Non, même sans cheat en vrai, tu vois. Mais c'est, voilà, tu vois, chacun sa manière de jouer encore une fois, tu vois, c'est tout un débat. Mais qu'est-ce que vous faites là les rays? Y'a rien à regarder en plus. Ils sont bizarres les gens. Oh là, ils sont posés ici comme si genre il y avait un spectacle alors qu'il y a littéralement rien à regarder. Arrête de me parler toi. Oh, c'est l'entrée par là, ok. Ah, je peux même pas passer. Mais c'est bête ça. C'est bizarre, ouais, les chasseurs. Ne dis pas les chasseurs, ils vont vraiment venir jusqu'ici. C'est pas vrai. Mais ouais. Qu'est-ce qu'ils foutent là les rays? Je dirais qu'ils étaient bloqués. Ils m'attendaient en mode, hey, on est là dans le coin, regarde. Mais on t'attend. Wesh, t'es chelou. Allez, ciao. J'ai pas votre temps. Attends, j'ai envie d'aller en haut là. Oh, oh, oh. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est bien ça. Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais ça, j'aime bien. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît bien. Ne tombe pas. C'était beau. C'est dommage. Putain, je peux même pas casser ça. Alright, c'est pas grave. On va aller se battre. Ouf. Attends. Je sais pas si j'ai... Ok, j'ai désactivé le truc. Peut-être qu'on aura l'occasion de se battre contre elle de manière legit. Je l'espère. Oh non, c'est trop tard. C'est trop tard, malheureusement. J'ai appuyé tardivement sur le cheat pour désactiver. Du coup, malheureusement, je crois qu'on va l'éclater en une fois. Aïe, 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 aïe. Bah écoute, Orc Suprême, je suis désolé, mais... Je te jure, j'ai fait de mon mieux. Ouf. Le jeu, il a crash. Du coup, en vrai, je préfère comme ça, tu vois. Au moins, ça me permet de faire ça de manière legit, tu vois. Même si en vrai, j'y ai bien fini. Quoique, attends, je vais essayer de désactiver. Non, quoique. Non, je vais désactiver, bien fini. On va essayer de faire ça à la loyale, tu vois. Et on va bouffer du macro, etc. pour essayer de récupérer de temps en temps. Ouais, elle est vénère, là. Elle est un peu vénère. Si j'essaie de te tra... Ouh là 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 là. Elle va m'éclater rapidement. Moi, je préfère me cacher. Là, je sais qu'il y a des endroits où on peut se cacher. Genre là, elle va pas me suivre ici. Ouais, non, tu vas pas me suivre. Ça veut pas dire que je suis une tapette, hein. C'est juste que je joue stratégique, si tu vois ce que je veux dire. Non, non. Mais non, mais non, mais non. Voilà, c'est trop, frère.
Elle peut me suivre partout. Ok. Mais gros, je la touche, ça lui fait rien. C'est moi, j'ai mal. C'est moi, j'ai mal, gros. C'est pas possible. Attends, je vais la travailler. Je vais la travailler juste avec ça. J'arrive pas à la viser. J'arrive pas à la viser. Oh, lolo. Tiens. Roud. Ouh. Ça fait mal, ça. T'imagines le pire si eux aussi, ils pouvaient bouffer les boss. Genre, ils pouvaient bouffer et recharger leur vie. Ah, ça n'en finit pas, hein. Si j'arrive à avoir mon truc. Ouh. J'ai eu chaud. Si j'arrive à activer ma capacité, voilà, je le fais, hein. Je le fais dire. Voilà, comme ça, ça fait plaisir. Attends, elle est où, T'es là, t'es là. Attends, tu pourras rien faire contre ça. Quoique. Oh, aïe. T'as mal. Wow. On va donner un sale coup de queue. Tiens, la rey. Là aussi. Ouf, ça fait mal. Putain, ça aide de ouf. Moi, ce que je vais faire, hein. Alors là. Attends, viens, on va se battre dehors vite fait parce que là. Non, mais we're gonna take it to the streets, man. On va ramener ça à la street. Allez, viens. T'es bien, ça? Oui. Attends, j'arrive, Horty. J'arrive. Reste tout tier. Voilà, elle nous a pas suivi, c'est bizarre. Dis pas qu'elle est délimitée. Ah, elle est pas délimitée. Vas-y, viens. Viens quand même. Ah, si. On dirait, hein. Oh, j'ai trouvé un glitch. Oh, c'est trop bien. Voilà, même quand je joue réglo, je fais des glitchs, frère. C'est pas possible. Tellement, il me fait de la peine. Oh, Miskina. On dirait qu'elle est déjà morte. Mais c'est pas possible. Non, j'avoue, c'était pas juste. La meilleure caverne pour la fin. Alors, ça, je suppose que c'est... Ah, c'est celle du golf. Oh, mais ça, je l'ai pas touché, hein. On est à combien, là? 61%. Mais putain, on a charbonné, hein. Je suis trop content. Voilà, je suis trop content. On a été... On a été très efficace. Toi, j'ai pas ton temps, toi, meuf. C'est le petit câble là qui va me mener. Voilà, c'est bien ça. Oui, ça fait plaisir. Meilleure caverne pour la fin. Tu parles, j'ai connu mieux, mais bon. Celle qui était au centre-ville était meilleure. Moi, j'aimais bien l'emplacement. Bref, est-ce que là, on peut genre utiliser l'ensemble osseux entièrement, tu crois? On a la queue osseuse. Attends, je fais le test. Je suis pas sûr, hein. Osseux, tac, oh, ça je viens de le mettre, je suis bête. Osseuse, tête, osseuse. Ah bah oui, on a tout le truc osseux là. Tu crois que c'est vraiment ça ou il manque un truc là? Ah mais oui, j'ai pas fait évoluer la tête, il me semble. Mais oui, il faut que je fasse évoluer la tête. Comme ça ensuite, ça change de look, ça devient ultra vénère, si tu vois ce que je veux dire. On peut encore l'améliorer, hein. Oui, c'est bien ça. Ok, nice. Maintenant, tac. J'espère qu'on aura assez de trucs pour faire améliorer. Ouais, je pense qu'on est bien. Niveau minéraux, I think we are good. On peut encore le faire une fois. Nice. Je crois que c'est tout, hein. Le corps osseux, est-ce qu'il est... Ouais. Il est OP. Ouh là là. Mais je sais pas pourquoi, j'ai trop l'impression qu'il manque un truc. En vrai, non, je pense pas. J'ai envie de tester comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Je vous jure, j'ai jamais testé. Bon, en même temps, j'avais pas toutes les the parts, si je puis dire. Il me semble que là, quand tu fais ce truc, quand tu l'actives, c'est genre, oh, genre tu vas foncer dans des bateaux, tu les trous, regarde. Ouh, c'est trop. Mais attends, il est lent par contre. Il est un peu lent. Oui. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, le jeu, il m'a dit, ouais, arrête tes conneries. Alors là, qu'est-ce que ça raconte? Ouh, déjà. Attends. Ouh, quand même, hein, il tient beaucoup, lui, hein. Il tient un peu trop, là, je trouve. Voilà, là, je préfère. Mais j'avoue, hein, je me sens beaucoup moins vif qu'avec l'ensemble de l'ombre. C'est pas possible. Mais regarde, lui, encore, là. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Arrête de me regarder comme ça, comme si Zahmet allait faire quoi que ce soit. Je refais un bail. Let's go! Voilà. Aïe, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça vous fait mal ou pas? Dites la vérité, les reilles. Dites la vérité. Est-ce que vous avez mal quand je vous déglingue comme ça ou pas? Votre petit bateau. Miskin. Bon, c'est bon. On en a assez vu. Hein. On en a assez vu avec cet ensemble osseux, tu vois. Même si. Oh, on dirait vraiment il a un bouc. Je suis un boss final, regarde. Mais il est trop rapide, lui. J'ai bouffé ta daronne tout à l'heure, Roy, arrête. N'empêche, j'aime beaucoup, tu vois. J'aime beaucoup son look, tu vois. Avant, je crois que c'est mon préféré en termes de look. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais vraiment. Hein. Son look, il est méchant. Aïe. C'est hardcore. Oh, c'est beau. Il est beau. C'est incroyable.
Oh, il envoie, franchement, il claque fort. Mais en termes d'agilité et tout, il n'y a rien à dire. Je préfère largement, tu vois, remettre celui de l'ombre, tu vois. Parce que, bon, on se déplace rapidement, tu vois. Et la rapidité, c'est ce qui nous intéresse notamment, tu vois. Mais en gros, c'est la dernière zone, frérot. Ça veut dire là, littéralement, si on finit ça, je crois que c'est fini, c'est le boss de fin. Ça veut dire, on va déglinguer après, Pete. Et après, ce sera la fin du jeu. C'est ouf, mais ça passe vite. Et après, ce sera sûrement un autre let's play. Je vous dirai pas quoi, mais vous allez voir. Oh, c'est quoi ça? Faut déglinguer des chasseurs. Alright. Et je te déglingue, Roya. Toi aussi, mais ça va vite. Ça va très vite, Roya. Voilà. Fallait en mettre une vingtaine, au moins, tu vois, pour qu'il y ait un challenge. Non, mais vraiment, moi, mon but, c'est de pouvoir descendre ce truc-là, ce bateau. J'ai trop envie de l'éclater. Mais déjà, est-ce qu'il était là auparavant? C'est vraiment une question que je me pose, attends. Parce que je confonds avec un autre, non? Je confonds vraiment avec... Ah bah oui, il était pas là, lui. Oh, oh, si seulement on pouvait péter les trois boules, là. Galax, c'est assez nouveau. Oh, oh, t'es mal à la gueule. Esquive subliminale. Ça m'intéresse, tout ça, là. Mais ça va être vénère, ça va être un cachalot. Une vénère, ça va être le cachalot géant, quoi. Là, il y aura pas de moyen de s'échapper ou quoi. À moins que tu passes à une autre zone, littéralement, tu vois. Pas comme l'autre. Miskina, elle était coincée dans son aquarium, tu vois. Là, c'est un bail de... T'es dans la mer. Et dans la merde, tout court, tu vois. Oh! Oh là là! Oh! Aïe, 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 ok. Je désactive la vie infinie. Alright. Je vais pas mentir, j'ai peur pour ma vie là. Du coup, il est où? Oh là là! On dirait un bateau, frère! Ou un sous-marin! Oh là 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 là, j'ai peur là. Il me cherche vraiment bas et tout. Hein. Il a pas peur. Il a pas peur, hein. Mais il sait pas que moi je suis un cheater! Il sait pas que moi je suis un cheater, le ray, hein. Je t'ai eu, hein. Je t'ai eu, le ray. Aïe, 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 oula, oula. Par contre, là, il va vouloir m'avoir. Attends, quoique. Je lui ai enlevé le quart. Bientôt la moitié de sa vie, Roya. Oh, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ça te fait mal, hein. Ça te fait mal, hein. Ça te fait mal, le ray. Ouh, oula, par contre, oui. Oula, là, il s'est réveillé. Là, il s'est réveillé. Oh. Faut qu'on bouge. Numéro, viens ici, frère. S'il te plaît, numéro. Je savais pas qu'un truc aussi gros pouvait... pouvait nager aussi vite. C'est quand même surprenant, ma foi, non? T'inquiète, on va avoir des trucs. Le plongeur, arrête. Mais toi, pourquoi tu me fais chier déjà, toi? C'est incroyable. Bah oui, j'avais entamé un truc juste avant, tu vois. T'as les chasseurs. C'est pour ça ils me tirent dessus. Sauf que moi, j'ai pas le time pour eux, frère. En vrai, deux fois tu actives ça, t'es yam après. You're good. You are very good, à moins que tu fasses de la merde comme moi là. Ouais, à moins que tu fasses de la merde comme moi. Tu fasses de la merde comme moi, mais en vrai, même comme ça, j'y arrive assez bien, tu vois. Là, je vous rappelle, j'ai pas la vie infinie, hein. Je peux me faire buter. I can get buted, man. Attends. Mais il y a deux cachalots sur moi là, frère, c'est pas possible. Alors, regarde, ça va ou quoi? Et non, je suis pas là. Mais non, pourquoi tu fais ça? Ça veut dire, le gars, il a des bons réflexes, même en temps normal, tu vois, c'est pas possible. This is not possible, man. Tiens, Roya, tiens. Là, je crois que je vais le finir, c'est bon. Oh, esquive subliminale, c'est quoi ça? Et il est où l'autre, là? L'autre cachalot qui faisait le malin? Il est où? Oh, on l'entend moins maintenant. J'ai bouffé sa daronne, là. Ou son daron. Alors, un plus grand bateau. Jetez un œil au nouveau navire de Pete. Je crois que je l'ai vu, frère, ce truc avec trois boules, là. Je vais revenir à ma grotte pour essayer de voir est-ce que je peux améliorer, là, et mettre le truc esquive subliminal. Je sais pas ce que c'est, hein. Mais ça m'intrigue, frérot, tu vois ce que je veux dire? Alors, cette évolution rend les animaux sauvages hostiles qui ne font qu'une fraction de votre taille neutre envers vous. Oh, les poissons hostiles, au moins 50% plus petits que vous, sont neutres envers vous. Oh, c'est bien, ça. C'est ça, le truc que je vous avais dit de base. Ça veut dire que, genre... on est tellement respecté dans la street, ils pourront rien nous faire. Ah, oh, je peux l'améliorer, mais bien sûr. Bien sûr, je l'améliore. T'es un malade, toi. Évidemment, pourquoi tu poses des questions bêtes comme ça, là? En fait, je pense que tout ce qui est requin marteau, requin blanc, tout ça, il me semble, ils devraient être pisse avec moi et me respecter. Ils vont rien me dire, ils vont pas me dire, ouais, mais en fait, toi, frérot, voilà, t'es pas un vrai gars. Eux, je crois qu'ils vont être tranquilles. Ah, eux, ils me font plus rien, tu vois. Donc, tout ce qui est, tu vois, de cette taille-là. Et des requins blancs, je suppose aussi, parce que ça fait environ cette taille-là. C'est un peu plus grand quand même qu'un requin marteau. Mais je suppose, ouais, ils seront tranquilles. Du coup, il n'y a que les cachalots, les orques, les gros trucs, tu vois, je pense, qui vont continuer à nous emmerder. Le reste, c'est pisse, quoi. Ouais, c'est seulement ça, le navire, frère. Je crois que c'était un truc géant. Pete a un nouveau bateau. Au premier coup d'œil, il est claqué. Mais en vérité, il est encore plus claqué que vous ne le croyez. C'est ce qui est écrit.
Tema, il a mis une gaine et tout, enfin... C'est un jour hein, pour faire du lourd. Mais gros, c'est la bombe atomique qui fait ou quoi, là? Tu m'as trouvé, et alors? Là, c'est hors émission, tout ça. Pete, j'ignore ce qui se passe, mais vous nous faites peur. De quoi vous avez peur? Vous êtes un requin? Pete, ça ne me plaît pas non plus, mais je crois qu'on va se faire démonétiser si tu fais la connerie, là. Il va prévenir la police, Galdek. Vous pensez que je suis fou? Pourtant, je suis l'homme le plus sain d'esprit que vous n'ayez jamais vu. Écoutez, ça n'a pas été facile d'arriver ici. Mais quand un requin me prend tout ce que j'ai, je lui donne la même chance qu'il a donnée à mon fils. Aucune! Je lui laisserai les mêmes chances qu'elle a laissées à mon gamin. Aucune. Alright. Il déterre. Maintenant, cassez-vous de mon bateau ou je vous tue aussi. Oh oui, quand même. C'est hostile. Oula! Mais gros, c'est du matos là! Je sais pas si on a pris la garantie en plus. J'espère que t'as faim. Nous servons de l'étouffée de requin ce soir. Aïe, 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 aïe. Ah ouais! D'accord. Ouais, je crois qu'il a pété un câble, vraiment, Mskin. En même temps, en gros, il a tout perdu. Ouais. Méga requin contre PT 5-2-2. Attaquez Pete et son navire d'attaque de la Seconde Guerre mondiale, remis à neuf. Alright, j'ai désactivé le truc de one-shot. Comme ça, on est yin. Par contre, je crois que je vais garder la vie infinie, non? Quoique, ouais, j'ai même pas gardé la vie infinie pour les prédateurs. Alors, ce serait pas juste que je le garde, enfin, que je l'active ici, tu vois. On va juste garder oxygène infini. Ouais, au cas où. Quoique, même ça, en vrai, je vais l'enlever, tu vois. On va rester là, vraiment réglo. Là, j'ai pas de cheat ou quoi. On fait ça réglo jusqu'à la fin. C'est totalement faux. C'est juste pour pardonner, genre le. Ok. Ah, il est assez vénère quand même, j'avoue. Ah, il est pas mal. Coucou, ma jolie, t'as vu? Je suis pas venu seul aujourd'hui. Alright. Ok. Non, mais c'est pas non plus la folie, quoi, ton truc. J'en ai déjà vu des modèles comme ça. Le truc, c'est juste qu'il en a deux en plus. Enfin, il en a un en plus, pardon. Alright. Alors. Par où on va commencer, là? Parce que j'avoue que les trucs électriques, là, ça m'embête un peu. Hein. Ça m'embête un tout petit peu. Un chouïa. Et il faut atteindre la cage, en fait. Wesh. Mais en fait, il balance des torpilles ou quoi, là? Ah ouais, t'es mort. Ah ouais, ça balance des torpilles, son truc. Hein. Ce bateau a toutes les options. Il en est fier, hein. Aïe, 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 oh, ça fait mal. Attends, mais je peux l'avoir de loin. Sans le toucher, le Rey. Sans le toucher, je peux l'avoir. Regarde, enfin, sans l'approcher, pardon. Je peux lui envoyer les petites boules de venin, là. Et ça éclate petit à petit sa cage, tu vois. Donc, c'est un risque en moins, tu vois. Par contre, il faut absolument que je trouve un moyen d'éclater les trucs. Ouais, 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 ouais. Attends, balance. Ah oui, c'est ça que vous m'aviez dit, le Rey. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Bah, c'est la première fois depuis le début du jeu en fait que j'ai l'occasion d'utiliser ça. Voilà la torpille et la torpille elle s'était posée à côté de moi, frère, en mode salut. Allez, viens. Par. Oh, ça fait mal. Ça fait très mal. Attends, je vais bouffer juste quelques trucs là. Petite tortue vite fait. Je suis désolé, petite tortue, wallah. Mais j'en ai absolument besoin. Oh, la capacité, je l'ai zappé moi. Voilà, j'ai zappé qu'en vrai ça pouvait servir de ouf. Let's go. Yepa! Oh, ça fait un peu mal, mais. Oh, je lui ai éclaté sa cage. C'est surpuissant. Ok, comme d'hab, les renforts. Alright. Renforts, on approche. Mais c'est de la merde. Ils vont rien me faire. Yepa! Je préfère déglinguer tout ce qui n'a rien à voir au boss, et ensuite. Voilà quoi. Attends, bouge. Attends, mais ils sont chiants, eux. Vous êtes chiants, vous, là? Voilà, merci, wesh. Mais déjà, vous allez me donner plus d'énergie pour éclater votre patron, là. Éliminer les bâtards. Ah, il y en a juste trois, frère. C'est rapide de ouf. Yippa. Aïe, 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 comment ça fait mal. Et j'aime trop quand tu prends de la hauteur comme ça, là. Yippa. Théma, tu retombes sur eux après, frère. Voilà la capacité. Le Rayou. Abandonnez tout de suite. Voilà, merci. Maintenant, on va essayer de s'occuper de Pete. Mais il a plus trop de vie non plus, hein. Alors, me dis pas qu'on va déjà l'éclater, Roya, c'est pas possible. Ça serait trop simple. Ah ouais, il y avait déjà le truc. Je sais pas ce que je suis en train de bouffer, mais je suis en train de bouffer des trucs. Je crois que j'ai fait du ça là. Alors, j'ai pas trop fait attention à sa vie, tu vois. Mais il me semble qu'on lui a quand même fait mal. Ah, la torpille, viens. Come here, man. Wow. J'ai presque le déglingué, Roya. C'est beau. Envoie une autre torpille, regarde. Viens ici. Hop.
Oh, c'était beau. C'était beau. Là, je pense, en fait, il n'y aura que lui et moi. Il n'y aura pas de bateau pour le protéger. Oh là là. Oh là là. C'est hardcore. Ah, il va faire exploser ça. Il va suicider ce malade. Laissez le bon temps rouler. Laissez le bon temps rouler. Non, on va pas mourir, frère. T'es sérieux ou quoi? Oh, le bâtard. Il veut se buter avec nous. On va recommencer bébé? Ou pas, en fait. Enfin, si vous croyez en la réincarnation. Je suppose qu'il y a une leçon à tirer tout ça. Comme le fait que la chosification accrue du monde naturel a placé les humains sur la trajectoire d'une apocalypse environnementale. Mais c'est une émission du câble que les gens regardent pour voir des invités, des individus tuer les requins et vice-versa. Bref, à la saison prochaine, c'était Man Eaters. En gros, il a dit, il s'est passé du khara et il y aura encore du khara. C'est pas fini en fait, tu vois. Mais il m'a saoulé en vrai avec sa morale de merde. Mais la fin est trop rapide, c'est nul frère. C'est quoi ça là? Ça veut pas finir comme ça, c'est pas possible. Mais non. La déception. Félicitations, vous avez terminé le scénario principal. Maintenant c'est écran noir, vu que vous êtes mort. Vous pouvez continuer à vous nourrir, à grandir et à évoluer. Ah ouais? Mais dans ce cas, il en devient quoi du requin qui a explosé? Il est pas mort. Il a survécu. Je crois en fait, mais quelle tristesse, gros. Oh là, mais je suis déçu de cette finalité. Elle était claquée au sol, frère. Je vais pas te mentir. Du coup, littéralement, il y a plus d'intérêt en fait. Enfin, si, il y a de l'intérêt. On va encore. Enfin, on peut encore faire ce qu'on veut, tu vois, pour améliorer encore quelques trucs. Mais en vrai, on a la plupart des améliorations déjà. La plupart des améliorations, on a tous les ensembles. Attends, c'est quoi ça? Il n'y avait pas une queue là? Mais c'est un truc que j'avais déjà obtenu. Ouais, j'avais déjà obtenu. Il n'y a plus rien à obtenir, il n'y a plus rien à débloquer. C'est quoi ça? Cartilage renforcé. Bon, ça sert, je suppose, bon, pour la vie et tout, tu vois. Enfin, ça donne plus de vie. Je suppose, t'es plus solide à tout ce qui est dégâts et tout. Mais je pense pas que ça te permet de faire plus de dégâts toi-même. C'est dommage tout ça, hein. C'est que ça soit fini aussi rapidement. Il y a juste la possibilité qu'il y ait peut-être un autre DLC. Enfin, pas un autre DLC, un DLC. Mais en fait, il y avait déjà un DLC. Il y a un DLC que tu avais quand tu précommandais le jeu. Moi, je l'ai pas précommandé. Du coup, normalement, enfin voilà. Du coup, je l'ai pas. Mais en vrai, tu pouvais jouer avec un requin blanc, il me semble, tu vois. Au début du jeu, j'ai pas compris. En tout cas, c'est comme un requin tigre ou un requin tigré, un truc comme ça. Du coup, c'est pas un requin blanc, qu'est-ce que je raconte, tu vois. Mais bref, Tiger Shark, on appelle ça. Tiger Shark, avec l'accent. Et en gros, ouais, c'était comme un skin, en fait, tu vois. Mais je pense pas que ça a changé quoi que ce soit au gameplay ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Je sais pas. Je sais pas, franchement, si je vais rejouer à ce jeu. Enfin, normalement, voilà, moi, je vais rester connecté. Donc, voilà, s'il y a quelconque nouveauté et tout, tu vois, je vais pas hésiter à vous présenter ça si c'est intéressant, tu vois. Sinon, je pense que, ouais, j'en ai eu ma claque de jeu, je peux vous le dire. S'il y a des modes, par contre, ouais, je veux bien, hein. S'il y a un mode qui te rend méga surpuissant de ouf, alors là, je suis preneur, bien sûr, hein. Pour encore plus de khala. Évidemment, frère, moi, j'ai pas envie de rater ça. Mais à moins que, voilà, s'il y a pas ça, je pense pas. Hein. Surtout si les chasseurs, c'est toujours les mêmes trucs et tout, tu vois. Ça, c'est répétitif, en fait, tu vois. Mais bref, dans tous les cas, si vous aurez kiffé ce let's play, bah dites-le moi, dans tous les cas. Prenez soin de vous, j'ai la prochaine vidéo. Peace!